Morning. How much is this one? $50. Okay, thank you. Have a good day. Bye. Allez. Yes. Je suis donc arrivé au parc national des Portes de l'Enfer, le Hell's Gate. Hier c'était safari à pied, aujourd'hui safari à vélo. Beaucoup de zèbres encore une fois, ils sont partout ces zèbres, comme ici par exemple. Donc pas mal de zèbres, les paysages sont top, attention je vais bouffer de la poussière, hop là. Yes, les paysages sont top, par contre à chaque fois qu'il y a une bagnole qui passe, on bouffe de la poussière au taquet quoi. Paysages sont top, par contre, je suis pas sûr qu'avec la luminosité, c'est couvert en fait, donc je suis pas sûr que ça ressorte super bien. Il y a des magnifiques roches rouges là, avec la végétation et tout, c'est super. Donc beaucoup de zèbres, des girafes, là comme je vois des girafes au loin, mais elles sont un peu loin quoi, pas accessibles je pense, ou accessibles en galère quoi. Et donc voilà, le concept, on peut venir soit en voiture, soit à vélo, c'est super cool. Petite boucle, je pense, de 16 km, un truc comme ça. Avec des bons vieux VTT, un peu tout pourri, quoi. Mais ça fait encore une bonne expérience, quoi. Une bonne visite du parc. So this is the Impala. Ah, Impala, yes. This is for giraffes. Pretty big, huh? Yeah, this part. Okay. Ah, Pumba, this one? Yes. Pumba Wado, you see the... Yeah. The biggest antelope, which can jump up to 3 meters, zebra. Okay. The zebra. Yep. This one? During the Stone Age, people were using this like knives. Donc là je suis avec un guide Maasai. En fait je suis sorti du parc Hell's Gate et juste après il y a un territoire Maasai. Et là on est dans des gorges. What's the name of those of the gorge again? What's the name of the place here again? Onchoro Irogwa. What do you say? Onchoro Irogwa. That's a Maasai name. Maasai Onchoro Irogwa. So that's why for the trees it is Onchoro. Onchoro. Ah, ok. Yes. We can see it. Yeah. Il y a des sources d'eau chaude en fait. Are they trying? They are trying. Wow! Good!
Oh là là. Excellent. Good, good. Donc on vient de finir la visite des gorges, là je suis de retour dans le parc, en fait là je suis dans le Hell's Gate et les gorges c'est dans un territoire Maasai, donc c'est plus dans le parc, c'est territoire Maasai et si vous voulez faire la visite donc il faut payer le Hell's Gate et après il faut payer le guide pour faire la visite des gorges, guide obligatoire, bon il était bien cool, petit tour d'une heure je pense, les gorges sont super belles, le point de vue est magnifique et ce serait de là apparemment que les dessinateurs de Disney se seraient inspirés pour faire le lieu où le père du lion meurt au début. Et puis voilà pour la petite anecdote, donc c'était bien cool, un bon petit tour, au retour ils nous ont fait passer par un chemin à la limite du dangereux, mais bon c'était une bonne expérience. Et là, retour dans le parc donc, je suis en train d'observer, il y a 5-6 girafes là, elles sont un peu loin donc c'est super dur de les filmer. Mais bon je profite de ce parc voilà, qui est vraiment, vraiment top, là je suis à 6 km de l'entrée, retour avec le vélo, retour à vélo, 6 km de route. Il est déjà un peu tard, quoi. Il est 14h, je vais aller trouver un truc à manger à l'entrée du parc. Et puis pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Retour à la guest house, tranquillou au bord de la piscine et pour préparer la journée de demain. Demain, Longonot, je pense. Longonot, le volcan, soit demain, soit après-demain. On va voir. En tout cas, voilà, je vais profiter de ces 6 km pour observer encore un peu les animaux, profiter de la vue du parc et des super paysages qu'il y a. Alors honnêtement là, le retour à vélo avec le vent de face, le sable dans les yeux, ça m'a tué quoi. Donc là c'est far niente. This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. Objectif du jour, le mont Longonot. Un peu de galère ce matin pour venir jusqu'ici depuis Naivasha. En fait, les taxis, bon, on voulait pas venir parce que c'était un peu loin. Finalement, je suis venu en matatou, ça c'est bien fait. Après, il a fallu que je prenne une moto, en fait, depuis la ville de Longonot jusqu'ici, jusqu'au parc de Longonot. Et voilà, on est parti donc pour la dernière activité autour de Naivasha. Après le Crescent Island, Hell's Gate. Maintenant, le mont Longonot, randonnée, donc pour monter. Là, j'ai vu, apparemment, on est déjà à 2100 mètres et je crois que ça va à 2700. Donc, ça devrait être une belle randonnée. En plus, il fait super beau et je vous avoue que ben, je suis un peu dégoûté qu'il fasse beau parce qu'il va faire super chaud. Je vais cramer, ça va rajouter de la difficulté et j'aime pas quand c'est difficile. Mais bon, ça devrait être beau là-haut. Apparemment, le cratère est super beau. Le volcan éteint, bien sûr. Dernière éruption en 1863. Et voilà, on est parti pour je ne sais pas combien d'heures de marche. Apparemment, pour monter déjà, c'est à 3 km. Allez, c'est parti! Mais voilà, c'est ça qu'il faut. Un ascenseur aussi, ça aurait été bien. Petit escalator là. Tant qu'à faire, c'est plus facile comme ça. Oh là là, mais ils ont tout goudronné. Ils ont bétonné. Easy, easy. Bon, bien sûr, ce que je pensais voir un peu plus bas, je croyais que c'était le haut du cratère. Du cratère. Eh bien non. Puisque le cratère, il est là-haut. Donc je suis pas encore arrivé. Oh, c'était raide, c'était dur d'y arriver, mais pouh, cette vue de fou quoi.
C'est magnifique, franchement c'est trop trop beau. Et cette forêt là, c'est un truc de malade. 2560 mètres. Bon, et bien là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien le tour, hein. Un peu de temps là, donc là, hop. Et retour à case départ. Ouais, ben c'est parti, je vais faire le tour du cratère. Je crois que ça fait 6 km. De ce que j'ai regardé, il n'y a pas d'indication de temps, on sait pas trop. Ah, ben si. Suffirait de lire, Frédéric, 7,2 km. Bon, ben voilà, 7,2 km. Allez, c'est parti. Là, je suis parti il y a 50 minutes, j'ai fait à peine 2,5 km. Bon, je me suis arrêté pas mal pour faire des photos, des vidéos et tout. Bon, franchement, la balade est super belle, hein, les paysages sont super, le chemin est tranquille. Par contre, il y a quand même pas mal de montées, et là, surtout, il me reste le pire à faire en fait, le plus dur reste à faire, quoi. Putain, interminable quoi. Alors je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est dur. Et là, putain, quand je vois ce qu'il reste à faire, c'est la chaleur qui tue surtout. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra, je vais marcher jusque là-haut et je reprendrai la caméra quand je serai là-haut, si j'y arrive. Bon ben voilà, finalement, 1h30 de marche pour monter. Bon, le point de vue est un peu plus là-haut en fait, le sommet là, 2700, plus de 2700 mètres derrière moi. Là, j'ai commencé à redescendre. Il y a une vue magnifique en fait, on voit le lac Naivasha, on voit l'île Crescent Island un peu sur le bord. En tout cas, c'est vraiment magnifique une fois de plus là, à côté de Naivasha, c'est encore à faire. En faire en fait, si vous êtes en forme, parce que c'est quand même pas mal dur hein, la montée là. Il y a bon 1h30 de marche, 3 km là, et encore je suis qu'au milieu là, parce que j'ai encore tout le tour à faire pour retourner au point de départ. Ça fait 7 km hein, comme on a dit. Mais c'est super beau. Donc voilà. Venez au Mont Longonot. Et me voilà de retour à 2000 mètres d'altitude. Alors je vous ai pas filmé la descente parce que sinon ça allait prendre des plombes là. Au final, le tour aura fait 4h30 quand même, hein, de l'entrée du parc, monter en haut du cratère, faire le tour, redescendre, 4h30. Donc si ça vous intéresse, comptez même 5h parce que je marche assez vite quand même. De retour à Naivasha, là je me suis arrêté au petit restaurant où je suis allé quelques fois parce que l'équipe là m'avait demandé de passer. Parce qu'en fait, ils m'ont fait un petit cadeau. Ils m'ont offert un bracelet aux couleurs du restaurant quoi. Alors bon, ça fait super plaisir, mais c'est pour montrer la gentillesse des gens, quoi, ici. Franchement, voilà, vu que j'y suis allé quelques fois, ils m'avaient dit « Passez, on a un petit cadeau pour vous et tout, quoi. » Bon, voilà, ils m'ont fait un cadeau qui ne me va pas au poignet, mais bon, c'est pas grave, ça fait un super souvenir. Là, retour à la guest house. Je vais me décrasser dans la piscine avant d'aller dans la douche, sachant que y a un truc que j'avais pas vérifié, que j'avais pas vu, en fait, sur le site, sachant qu'il n'y a pas d'eau chaude dans cette guest house. En tout cas, dans la chambre où je suis, il n'y a pas d'eau chaude. En tout cas, c'est ainsi que se termine la visite de Naivasha et de ses alentours. J'espère que ces deux vidéos, normalement deux vidéos, vous auront plu. Et puis voilà, pour ma part, le voyage n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Demain, départ pour Nairobi, et puis après, vers la côte, on va aller au soleil et à la plage. Le soleil qui sort d'ailleurs, allez, c'est temps d'aller à la piscine. En tout cas, n'oubliez pas que, de toute façon, un voyage à Naivasha, ça ne se raconte pas, ça se vit.